Bonjour. Tout d'abord, merci à tous ceux qui nous regardent, qui nous likent et qui s'abonnent à notre chaîne. Cela nous fait vraiment plaisir et c'est gratuit. Ici, petite vidéo de nos moments de détente, de balade, d'amusement, de rigolade lors du chantier. Voilà, nous sommes en train de faire une petite promenade jusqu'à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Le soleil est un peu, la lumière est un peu vive, c'est pour ça que je vais remettre mes lunettes. Voilà. Nous avons la plus grande, paraît-il, panne d'Europe. Tu as signé que je suis petite. Le petit Bilou, il est heureux aussi. À ma choupette, en liberté. Ouh, c'est gai de se promener, mon nounou. Nous arrivons à Port-Saint-Louis. On s'est promené à pied. Voilà, on y arrive. Ça, c'est la marina, le port Saint-Louis. Contre le canal aussi. Voilà. Et alors, par là. Voilà. Et par là, c'est le canal de sortie. Et là, à droite, ce sont tous les catamarans. Et voilà. Un cormoran, juste notre trajectoire. J'espère que je ne vais pas trop lui faire peur. Voilà. D'un coup, c'est moi. Je déchèque ma choupette. Oui. Un choc, je déchèque. Et voilà, le capitaine qui arrive aussi à la marina. Ici, un bateau qui rejoint le Rhône. Et vu l'étroitesse de l'écluse, vous allez le voir, les pilotes ne sont vraiment pas des manchots. Petit restaurant de la région. Et voilà. On a bien mangé, j'espère. C'est original pour manger des moules. C'est une moule géante. Capitaine, à l'attaque des moules. Verdict, meilleur qu'en Belgique. C'est pas mauvais, c'était très mauvais. J'ai pété, je croyais que ça s'entendrait pas. Après ce grand moment de solitude qui fait toujours rire ma Nicole, voici la minute culturelle avec la tour Saint-Louis, construite au XVIIIe siècle. Ici, petite ruelle bien sympathique de Port-Saint-Louis avec des restaurants. À vélo et il a crevé. Et donc, le petit Courteau et moi, nous allons le rejoindre pour que le chemin ne soit pas trop long pour lui. Ange, est-ce que tu as quand même du bon pain? J'ai du bon pain. Voilà, tout n'est pas perdu. Petit déjeuner, petit Courteau et capitaine. Très friand de tout. Du pain du capitaine, la petite banane du capitaine. Alors, dimanche matin, c'est le jour des pancakes maison. Voilà. Voilà. Maintenant, ma petite épouse fait les pancakes. La pâte pour les pancakes, voilà, exactement. Et le petit chien, il adore, hein? Ah, là, ouais. J'ai un vrai petit cuistot avec moi. À ma choupette. Les blancs d'œufs battus en neige sont mélangés à la pâte. Voilà. Voilà. Mon petit bébé fait les pancakes. Alors, pancake terminé. Voilà, voilà. Il n'y a plus qu'à déguster maintenant. Voilà, on termine les courses. Moi, pour le moment, ben, j'attends Philippe. Dans un paysage pas trop dégueu, faut le dire. Et Philippe est parti chercher le pain. Et moi, j'attends avec le petit Binou. Ah, ma choupette. Alors, comme je le disais, voilà nos fières montures. Le petit chien est prêt. Ah, ma choupinette. Et pour un petit, il est quand même assez calme. On est étonné parce qu'on pensait qu'il allait faire vraiment le sapajou. Mais il est super calme, super gentil.
voilà les bateaux qui font le rôle, style bateau de croisière. Capitaine songeur, il apprend notre drone. Pour la procédure RTH. L'objet. Comme Nicole fait ses robes elle-même, eh bien elle joue son petit mannequin pour les présenter. Si vous êtes attentif, dans le fond de l'image, il y a un magnifique trauma qui est à vendre pour la modique somme de 12 millions d'euros. On le porte parce qu'il est un peu fatigué. C'est encore un petit jeune. Hein. 7 mois. Fatigué, ma choupette. Oui. On rentre à la maison, sur le bateau. Allez, c'est parti. Nous voilà arrivés sur le chantier. Je vais vous montrer un petit peu les bateaux qu'il y a sur le chantier. Voilà. Et qui voilà. Crevaille. Ici, vue sur la Camargue, avec dans le fond le golfe de Fos et évidemment les flamants roses. Corto. Voilà. Après ta petite course dans l'eau salée, une petite douche. Attends. Tiens. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, ça nous fait vraiment plaisir. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche, histoire d'être prévenu quand une nouvelle vidéo arrive. À bientôt.